Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Foundation. Alors comme vous allez pouvoir le constater, j'ai un petit peu joué hors vidéo. Alors vous allez combattre. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Là j'ai dégagé un peu le bois, j'ai acheté une zone par ici je crois il me semble. Je sais plus, non je l'avais peut-être déjà. J'ai construit une ferme à blé ici parce que je produisais vraiment pas assez de blé. Je commence un peu à remonter, par contre c'est les baies qui commencent à descendre un petit peu. Je suis en train de construire une autre ferme à blé, l'idée c'est d'en construire une autre ici et une autre par là, histoire de bien monter mon blé. J'ai construit aussi un autre moulin ici qui va me transformer mon blé en farine du coup. Là j'ai fait un petit stock tampon, rapidos. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui j'en ai construit une ici, je crois qu'elle n'y était pas celle-ci. Là, sur les mines, j'ai mis un stock de charbon et je commence à produire du charbon. J'ai construit une fonderie d'or. D'ailleurs, il faut que j'assigne des fondeurs. Hop. Oh, j'ai plus beaucoup de sans-emploi. Est-ce que j'avais... Oui, voilà, j'avais désactivé ça, donc on va le réactiver. Voilà. Puisque je commençais un peu à atteindre... voilà, avoir des gros stocks d'or, donc je vais les transformer en lingots. On fera un autre entrepôt plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je commence à avoir beaucoup de champs et je produis vraiment pas tant de blé que ça. J'ai acheté la zone ici. Ah oui, j'ai reboisé ici et j'ai mis des cabanes de chasse pour commencer à produire des sangliers. Que je ne produis pas du tout d'ailleurs. Ah oui, mais... Voilà, c'est pour ça. Et les sangliers, ils restaient là-dedans. Ah oui, 14, 2, ouais, voilà, c'est ça. Ok, promotion. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va promouvoir... Tiens, un soldat et les serfs ici, tous ceux qui ont un métier, et ben ils ont tous des métiers comme ça, au moins c'est bien. Hop, voilà, c'est parfait. Comme ça, ils vont tous se trouver des maisons. On essaiera un peu plus tard de passer certains quand on commencera à avoir mieux de pain. Mais là, ça commence à bien se passer. Oula, les baies ça descend vachement, dis donc. Ça descend vachement. Je pense que là il y a un truc de baie. On va refaire un petit stock tampon par là. Et on va re-ramasser des baies. D'ailleurs, on va construire ça tout de suite. On va le prévoir maintenant. Comme ça, ce sera fait. Donc là, on va construire un grenier. Ici, par là, là. Est-ce qu'on peut le mettre carrément là, là. On va le mettre ici, là, au bord de la route. Hop, et puis on va construire... des cabanes de récolte. Et là, vu qu'il y a trois trucs, on peut au moins en mettre... Je dirais 3. Je crois que là-bas, j'en ai 3. Hein, sur les deux, ouais, j'en ai 3. J'ai 3 cabanes de récolte. Au moins, je serais bien en baie. Même si je suis déjà très bien. Hein, dire ce qui est. Ouais, je vais en mettre 3. Allez hop, comme ça ce sera fait. On mettra, voilà, faudra bien mettre comme ça le bois. Là on va essayer de l'enlever. Alors qu'est ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Quête accomplie. Les soldats, ah bah ils sont revenus. Oh, ils ont ramené des bijoux, 19 bijoux, 14 bijoux, du vin, des lances encore. Très bien, les lances, c'est cool. Les lances, c'est cool. Alors, toc toc toc. Donc j'ai vers des nouveaux arrivants, ça c'est bien. Ça, on va le décaler un petit peu par là. Ils m'ont ramené masse d'or aussi, ça c'est une bonne nouvelle aussi. D'ailleurs, j'ai commencé à construire des trucs ici. C'est peut-être fini d'ailleurs. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Une nouvelle mission militaire est disponible. Il y a 2 blessés, donc on va attendre qu'ils soient... On va attendre qu'ils soient... rétablis, et puis on refera des missions difficiles, hein. Ça me rapporte pas mal de choses. Les lances, je sais pas trop quoi en faire. On verra plus tard. Les vêtements, je suis largement bon. Ouais, on est largement bon sur les vêtements, la laine... Hein. La farine, on commence un peu à remonter, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
Le pain aussi, on commence à remonter le pain, ça c'est bien. Le fromage, par contre, j'ai très peu de consommateurs de fromage. Pourtant, j'en produis bien plus qu'il ne m'en faudrait. Ok. Donc on est bien. Là c'est pas mal. Donc là j'ai des fondeurs qui commencent à me produire des lingots. Ouais, ça me produit des lingots un petit peu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On peut voir le. On connaît pas le ratio là. Le charbon ça produit aussi. C'est bien. Ça fait diminuer mes stocks de bois un peu. Qui sont bien trop hauts. Et là, je vais avoir besoin de. Je vais avoir besoin de gens qui vont produire un peu là. Donc c'est bien que j'ai des gens qui arrivent. Qui sont toujours tous heureux. Donc là je suis bien. Là cette fois j'ai vraiment. Je pense que je me suis bien débrouillé cette fois sur cette partie. Hein. Je pense qu'on va aller plus loin. C'est sympa cette petite carte là avec la petite colline là où je vais mettre mon château tout en haut là, c'est. Je trouve que c'est très très classe. Je ferai peut-être une muraille là en dessous là. Ça va être classe. Ça va être classe. Parce que j'ai quoi comme mur d'ailleurs? Mur de taverne. Ah oui, la taverne! Et oui, j'oubliais ça. Il faut que je construise la taverne. Mon autre idée c'était peut-être de déboiser un peu par là pour faire des habitations. Pour pouvoir après se déployer un peu par là. Parce que là je voulais me déployer par là mais au final ma taverne il faudrait qu'elle soit assez centrée donc si elle est pas mal par là ce serait pas mal. C'est pour ça que j'avais construit les trucs de sanglier, c'était pour récolter pour pouvoir faire des repas. D'ailleurs là il m'en faudrait un de plus, ce serait pas mal. Voilà. Là 2 ça suffit. Ah le pain on remonte, c'est une bonne nouvelle. Par contre les baies on est vachement descendu dis donc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer des récoltants ici. Là on va mettre deux personnes et on va mettre des baies ici. Voilà. Alors c'est marrant que ça monte le pain parce que là en plus il y a la. Enfin il fait pas beau. Donc quand il fait pas beau on produit pas beaucoup normalement. Là j'en ai qu'un, donc pour le moment on va dessiner la zone de récolte et on verra après pour affecter des fermiers. Voilà. Peut-être que j'achète là-bas après, on verra. Quand je commencerai. Budget 905 la semaine dernière, donc c'est le budget, c'est largement bon. Le budget est largement bon. Largement. Largement, largement. Ok. Ouais, c'est marrant, là, ils se sont décidés à manger des baies plutôt que du pain. C'est bizarre. Mais je comprends pas tout, des fois. Ah ouais, là, les baies, on descend à mort, là. On descend à mort. En tout cas, j'en ai 3. Là, je vais en mettre encore 3. Allez, on va récolter des baies à plus savoir quoi en faire. C'est pas grave, c'est l'alimentation principale de toute façon dans ce jeu. J'espère que c'est juste dû à la tempête là, enfin à la météo. Là on en est où? Oh, les bières et les bières, on sait plus quoi en faire. Je vais peut-être pas reconstruire des greniers juste pour ça, si. Je pourrais hein. Ça me coûte pas grand chose. Si, ça me coûte des transporteurs. Ouais. Ouais. Ça me coûte des transporteurs.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'auberge, on va la mettre par là. C'est pas mal, je pense, ici. C'est un petit peu loin de tout. Ça qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai ma forêt ici qui sert à rien. Ou alors je la fais là, mon auberge, à la place de ça. Et je mets mon vrai camp de bûcheron et mon truc ailleurs. Ça pourrait se faire, se déplacer ce machin de bois là qui me sert à rien ici. Enfin, qui est pas forcément idéalement bien placé. Qui pourrait être par ici par exemple. Où ça suffirait largement. Ouais, je crois bien qu'on va faire ça. On va faire ça, donc on va mettre une cabane de récolte, non du tout. Un camp de bûcheron. Par là, là, même très par là, là. Hop. Avec un camp forestier à côté. Hop. Et du coup, on va mettre de l'extraction tout le tour. On va réduire un peu la zone de chasse ici. Non. Hop. Voilà. On va mettre de l'extraction là. Clac. Et du reboisement. Ici. Là. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. C'est quoi qui s'est construit là? Camp de bûcheron. Donjon en bois est terminé. Alors là, donjon en bois, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des trésoreries de partout. Des dortoirs, ça fait quoi? Ça fait quoi des dortoirs? Dortoir, capacité maximale 6. Général. Extension, trésorerie, emploi 6. Je ne sais pas. J'avais mis des trésoreries. Je vais mettre un dortoir, on verra. Trésorerie. Additionnel qu'on entretient, on s'en fout. Trésorerie, je suis monté à combien là? 2060, ça fait beaucoup. 150, ouais, c'est rien. Dortoir. Ah, parce qu'avant il dormait sur des paillasses. C'est ça? Ou il dormait en ville peut-être. Eh oui. Avant ils devaient dormir dans des maisons, ils devaient avoir leur maison. Maintenant ils vont dormir ici. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais faire un autre manoir aussi avec des jolies petites extensions là, des trucs sympas. Bureau du bailli. Ah oui, mais j'ai déjà mis bureau du bailli. Bâtiment en pierre. Et des trucs sympas. Juste pour augmenter ma trésorerie. Si je construis ça genre là, clac comme ça. Sympa ça. Pas trop haut quand même. Ouais, comme ça. Avec une petite tour au bout là. Pouf. Et une petite porte là. Ça fait très église mon truc là. Pas grave, c'est marrant. Ah, c'est rigolo. On peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Ouais, gros, c'est tout. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, tiens? Des planches, ouais, mais j'ai pas besoin de tout ça, moi j'en veux pas. Alors, camp forestier, camp de bûcheron, donc là ce qu'on va faire, on a dit, c'est qu'on allait détruire ça, paf, supprimer, et on va détruire ça, supprimer, hop. Normalement, eux ils vont aller de l'autre côté là-bas. Et ils vont se trouver des nouvelles habitations. D'ailleurs, en parlant de ça, résidentiel. Hop, on va l'agrandir un peu par là, le résidentiel. Clac. On va
pas trop dans la zone de... Mais là, ici, c'est pas mal. Là aussi, on peut l'agrandir. Là, c'est élevé, hein. Jusque là. Hop. Ah, j'ai des nouveaux arrivants qui sont arrivés. Donc, on va pouvoir... Oh là là, je produis vachement moins. Ah, mais c'est pareil, les baies, on produit vachement moins quand il fait... Quand il fait pas beau. Je crois qu'il y a de ça aussi. Je pense que je pourrais faire un autre grenier après, à mon avis. Donc là, on est tout plein. Ouais. Donc là, on est tout plein. Là, normalement, voilà, ils sont venus, les bûcherons et le forestier. Alors lui, il faut que j'affecte un type d'arbre. Chêne. Hop, juste des chênes, ça va bien. Ok. Donc là, on devrait être pas mal. Et on a dit que il fallait maintenant construire la l'auberge. Ce qu'on va faire tout de suite. Je suis déjà à 2062. Ok, tain, j'étais à 600 là quand même. J'étais à 600. Et mes soldats sont tous des soldats. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de soldats, mission disponible. Vous allez faire des missions difficiles. Hop. Clac. Ah, pff, c'est fini. Ça, quand c'est fini, ça fait du bien. J'aurais même pas besoin de les envoyer tous, en fait. Envoyer. Ok. Quand est-ce que je vais débloquer les missions du niveau supérieur? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une belle petite armée. Donc, ah oui, j'ai pas mis des là-bas non plus. Ah, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on a dit qu'on allait faire déjà. Ah, c'est bien, en plus ça fait un petit plateau là. Enfin, une sorte de petit plateau. Ça va être sympa pour mettre des habitations autour après là. Sachant qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Non, c'est. Ah, c'est pas ça, c'est ça. Ah non, c'est ça qui fait du rouge. Donc là, je pourrais faire d'autres habitations par ici et me développer autour. On fera ça, on fera ça. Ok, donc, on a dit. Là, je pense que j'ai tout débloqué. À la fonderie de verre, il me faut du quartz, mais le quartz, c'est à l'autre bout de la terre. Donc je pense que le verre, on va l'acheter quand on en aura besoin. Et c'est tout. Donc, là, la taverne. Taverne, on va la mettre par ici. Et on va s'amuser à la construire maintenant. Okay, donc là, j'espère qu'on va remonter les baies maintenant. Et que le pain va continuer à monter aussi. Parce que maintenant, on n'est plus en période dégueulasse, donc là, ça devrait monter. Le blé, ça reste jamais longtemps. Ça me remplit, mais normalement, ça remplit, mais... Ils amènent le blé là-dedans direct. Sinon je sais pas ce qu'ils font avec le blé hein, s'ils le mettent pas là-bas dedans. Ouais voilà, ça commence à produire de la farine. Et du coup après on va produire du pain. Manoir du Seigneur. C'est classe. Alors. Là, on va pouvoir mettre du coup une autre trésorerie et une autre trésorerie. 270 la tour, putain, pas mal. Ah ouais, j'ai augmenté de 840 là mon max. Ok, donc on disait l'auberge. Alors l'auberge, il y a des trucs très sympas. Faire des ponts, on peut faire des trucs, enfin il y a vraiment des trucs super cool. Il y a vraiment des trucs super cool. Donc on va faire une première salle principale. Bâtiment principal en pierre ou salle principale rustique. On va
faire la rustique quand même parce que il y a plus de place dedans. Alors la salle principale rustique, on va la faire par ici. Paf, comme ça. Vas-y, gardez mes troupes avec vous. On va la monter légèrement. Voilà, comme ça. On prévoit extension en bois. C'est pas joli ça. C'est pas joli du tout. On va faire une salle en pierre derrière. Faut que je regarde le nombre de... Ah, je suis déjà à 109 pièces d'or par semaine. À la prochaine promotion, il va falloir qu'on augmente masse de gens. Attendez, regardez, on peut tout de suite déjà prévoir de faire une espèce de petit pont là. Vous voyez, si je mets ça par exemple. Comme ça. Attendez, c'est à quelle hauteur ça? Je peux pas le baisser. Faut que j'attrape ce coin là. Voilà. Ce coin là on va le mettre au bout là. Clac. Ce coin là on va le mettre par là. Je peux pas le descendre. Pourquoi je ne peux pas? Merde. Putain. On va y arriver. Ah, je peux mettre ça sur les trucs quand même. Ah oui. Mais c'est pas beau. Donc ça on a dit par là. À peu près là, voilà, c'est pas mal là ici, comme ça attaque. On va le monter de 1. Ok, moi je voulais faire un petit pont. Le problème c'est qu'il est hyper haut mon pont là. Je peux pas le faire plus bas. Si je fais comme ça. Ouais non, ça fait haut tout le temps. C'est dommage, ça aurait fait joli ça. Un truc comme ça. Sinon on le fait haut, hein, tant pis. Ouais. On va le faire haut, tant pis. On va le mettre par là, comme ça. Et là, l'autre, on va le mettre comme ça, ici. Et du coup, on va mettre une salle comme ça, ici, là. Par là. Enfin, mettre plus haut, du coup. Voilà, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah merde, c'est aimanté dessus, du coup. Lâche-moi toi. Clac. Non. Voilà. Clac. C'est stylé quand même. C'est un petit peu haut. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Alors, l'entrée, on va la mettre par là. Genre, clac, comme ça. Il est pas dans le vide, mon escalier. Si, un petit peu quand même. Un petit peu. Donc, l'entrée va être ici. Du coup, on va faire un joli petit truc. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut normalement maintenant. Module principal, la porte, une petite lucarne là, comme ça, ça c'est stylé aussi. Je peux la mettre là, la lucarne. Oh, à l'angle comme ça, pas mal. Ok. C'est vraiment classe ce qu'on peut faire. Hop, ici, voilà. Ok, ensuite. Alors, on va mettre une petite cheminée là, parce que bon, quand même, hein, il faut qu'il se chauffe, mes gars. La cheminée, elle va être là. Pouf. On va avoir une petite cheminée aussi ici. Hop. Donc on va avoir ici. Hop. Avec enseigne avec un tonneau. Un sanglier, évidemment. Un sanglier, forcément. Un poteau en métal. Ça sert à quoi ça? À quoi ça sert, c'est un poteau en métal? Je peux le mettre qu'à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça sert à quoi? Ça sert à mettre... Ouais, ça sert à mettre ça. On va mettre la cuisine, évidemment. Il me faut la cuisine.
vos soldats ont été victorieux, évidemment. La cuisine, on la met par là. Là, c'est pas mal, comme ça. Avec une petite terrasse, ici. Clac. Ou même là. Ah, là, c'est bien, là. Ah, ça fait stylé, comme ça. Ok. Un balcon, ici. Là. C'est pas mal, là. Ah, je peux pas mettre un balcon, là. Un balcon, là, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une extension. Là. Un peu haute, comme ça. Ouah, ça fait trop stylé, avec un petit balcon en dessous, là. Et on va essayer de mettre un balcon par là. Je peux pas mettre de balcon, là. C'est forcément ici, le balcon. Bah, va pour là. Ça va me coûter cher, ça, je pense. 212 par semaine. Ouais, allez, on s'en fout. On s'en fout, on est des fous. Passerelle, une arche. On va faire un petit... un petit muret autour. Le pont, on en a mis un pour faire joli. Une lucarne, on en a déjà mis aussi. Ah non, on n'avait pas mis de lucarne. On va mettre deux petites lucarnes, là. Oh, mon auberge, elle va être tellement stylée. Elle va être tellement stylée. Tac, tac, tac. Des écuries. Bah oui, évidemment. Petites écuries. Pour les voyageurs. Par là, là. Peut-être pas vers les cuisines. Ouais, si, plutôt vers les cuisines. Hop. Clôture. Ah oui, bah oui, c'est une petite clôture pour mettre les chevaux, comme ça, clac. Un cabanon avec du bois. Là. Hop. Et là, je sais qu'il y a un mur d'auberge, mur de taverne, là. Alors, on va le faire partir d'ici. Clac. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on va mettre ça. Ou ça. Ça ou ça. Non, ça, c'est mieux. Hop. Hop. C'est quoi ces points là d'accroche? Je ne sais pas. Là, j'ai des points d'accroche aussi là. Ah, parce que je dois pouvoir y mettre contre des bâtiments. Ok, donc on reprend le mur de taverne. Oh là, on voit rien. Clac. Pouf. Pouf. Pouf, pouf, je suis dedans là, bam. Et ben voilà. Elle est stylée ma taverne, non? Elle va me coûter combien? 213 par semaine, ouais. C'est pas mal, qu'est-ce qui me manque? Ancrage automatique de la pièce de construction. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il y a un truc qui va pas, je peux pas commencer la construction. Possède une porte, oui. Quoi? Coût initial 400 pièces d'or. 200 planches. 104 outils! Ah ouais! Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? C'est quoi ce merdier? Pourquoi je ne peux pas? Putain, merde! Hors du territoire? Comment ça? Comment ça, hors du territoire? Ah merde, il y a un truc là-bas. Non! J'ai envie de crever. Oh putain. Ah, ça race. Putain, j'y crois pas. Bon. Eh ben, on va recommencer vite fait. Maintenant qu'on sait ce qu'on avait fait. Hop. Ça, comme ça. Clac.
ici une porte. On va vérifier qu'à chaque fois on peut construire. La porte, on avait mis comme ça à peu près. On avait mis comme ça. On va mettre comme ça, c'est mieux. Ok. Ensuite, on avait mis un bâtiment en pierre là. C'était peut-être pas tout à fait ça, mais. Un bâtiment en pierre comme ça. Clac. Ok. Avec un autre bâtiment en pierre comme ça. Clac. Allez. Clac. Je ne comprends pas. Regardez comment on descend les. Alors que j'ai ajouté 3 trucs de production. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Promotion disponible. Je sais que j'en ai beaucoup plus qui mangent, mais quand même. Faut pas déconner. Cueilleur, 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 cueilleur. Allez, tout cela. Transporteur, transporteur, transporteur. Normalement, eux, ils ont pas besoin de nourriture supplémentaire. Ceux-là. Ils ont leur. Leur truc de base. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que. On va arrêter l'immigration pour le moment. Le temps que je construise mon. Que je reconstruise. Mon bordel. Le pain, on remonte légèrement, ça me rassure. Par contre, les baies. Les baies, je ne suis pas content. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les baies. Ça s'est mis à chuter d'un coup là? On s'est mis à vendre des baies comme jamais quoi. Alors attendez. Budget, y a pas un détail à un moment? Si c'est là. Les baies, ouais, on en a vendu beaucoup. Pas, mais je vais refaire des cabanes de collecte, hein, je vais pas me. J'ai des villageois, donc je vais pas me prendre la tête. Hein. Ils sont là pour ça. J'en avais mis où? J'en avais mis là. Il y en a 3 cabanes ici. Il y a 3 cabanes de l'autre côté, du coup il y en a une là. Je crois que c'est tout. Je peux en remettre une par là. Je peux en remettre une par là aussi, hein. Sans problème. Ah, j'avais dit l'auberge, je la faisais là, je suis bête moi. Et oui, putain, mais je suis con, pourquoi je l'ai construit là-bas? J'avais dit que je la ferais là pour qu'elle soit plus centrée, pour qu'ils soient pas trop loin de... Ouais, ils sont pas hyper loin non plus, c'est eux qui vont être plus loin, eux là-bas aussi. Si je la fais là, elle sera plus centrée. Ouais, après c'est un besoin supplémentaire. Ça va être le besoin de luxe, donc ils vont être plutôt par là, ceux qui vont aller là-bas. Ouais, elle est bien là. On va pas s'amuser à tout refaire. Donc là, je peux construire. Est-ce que c'est pas le pont qui m'embête? C'est possible que ce soit le pont qui m'embête. Non, c'est bon, là, je peux construire. Avec mon joli pont. Ok. Donc j'avais mis une petite extension comme ça, rigolote. Là. Ce serait mieux de la mettre au bout là, je peux pas la mettre au bout. Comme ça. Voilà. Ok. J'avais mis une cheminée par là. Hop. Une autre cheminée ici. Là, on avait mis une pancarte. Une pancarte sanglier. Il y a deux trucs. Une pancarte sanglier. Un drapeau. C'est pour mettre dessus aussi. On s'en fout. Ok. La cuisine, on l'avait mis ici. Comme ça. Comme ça, je crois. Ouais.
quoi elle ressemble à la cuisine? On va mettre comme ça plutôt. Hop, on avait mis un petit truc là comme ça, une petite terrasse, on l'avait mis là. Là ça faisait bien. On avait dit ouais. On avait mis ça ici. Clac. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Donc là je peux toujours construire, ouais. Je suis en pause là. Oui, je suis en pause. Ok, on avait mis un balcon. On avait pas mis là le balcon. Si, on l'avait mis là le balcon. Et la cheminée, on la met plutôt là-bas. C'est stylé là, ça fait une petite terrasse dessous. C'est trop classe. Et c'est super réussi mon truc, je trouve. Le pont, les petites lucarnes, on en avait mis là. Et là. On va peut-être mettre là plutôt. Hop, tac, tac. Voilà. Boum, et puis voilà. Ah oui, si, il y avait ça aussi, le petit truc de bois là qu'on va mettre là. Paf, ça, l'écurie. Oh, l'écurie, on va la mettre au fond du coup, on va la mettre par là. Clac. Comme ça. C'est plutôt comme ça qu'il faut les mettre. Bah voilà. Commencer la construction. Et là c'est parfait. Et là ça va me coûter une blinde. Ça va me coûter une blinde. Quoi, là on y vend mais vas-y quoi, putain. Bon, et ben on va faire on va construire une autre cabane de récolte ici. En espérant que deux cabanes sur un seul truc ça suffise, sinon je vais me mettre là. Hein. J'ai un truc ici, j'ai un autre truc là aussi. Je vais me mettre ici. Hein. C'est con là, j'ai construit ma ferme alors qu'il y a du potentiellement des habitations qui peuvent venir se construire là. Ok, donc là, enfin là après il va y avoir, ouais. On va construire ça ici. Ok, ça on va le supprimer. Ah ouais, ils sont tous là. Où c'est qu'on va enlever des arbres? J'avais dit que je voulais enlever des arbres par là. Hein. Cabane de bûcheron. Corne de bûcheron. Ici. Commencer la construction. J'ai beaucoup de construction en même temps alors que j'ai très peu de. On va garder les arbres à l'intérieur de mon truc, je trouve c'est stylé. Même ceux-là, c'est pas mal. Hop, voilà. Hop, clac, et on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait bien trop longtemps que je tourne, allez, donc voilà, j'ai, peut-être que je peux juste faire ça, quand même, avant d'oublier, ouais, voilà, ok, le pain on remonte, c'est cool, les baies par contre c'est moins cool. Les baies c'est moins cool. Bon c'est pas grave, on va faire des cabanes de récolte. Ok, bon bah voilà. J'en ai 3 à la cabane de récolte quand même. Est-ce qu'elles seraient pas pleines? Non, elles sont pas pleines du tout. Elles non plus. Non. Ok, donc voilà, c'est très bien. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao !